Salut à tous, José YTB, une petite vidéo pour l'after-patch de l'importation de véhicules par la DMO. J'ai trouvé cette manip sur la chaîne All Eyes on Glitch, je vous la mettrai en description. C'est quasiment la même chose qu'avant, sauf que là, moi, le MTU, je l'ai mis à 905. Et il y a quelques petites modifs. En fait, on va attendre que ça charge. Et on va faire tout ça. En attendant, votre poteau qui vous aide, il se met en travail de titan. Et il attend au lieu de spawn. Celui que vous aurez choisi. Ça fonctionne aussi pour récupérer un deuxième véhicule avec la même manip. Mais on va voir ça le moment venu. Donc évidemment, toujours la même chose, c'est long, c'est long. Et voilà, on est là. Donc on est à la caravane de Trevor. Petite flèche de droite, du bas. On rejoint Franklin. Jusque-là, rien n'a changé. Jusqu'à ce qu'on soit s'arrêter, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Le coup de fil de l'essieu, voilà, dès qu'on peut raccrocher, on raccroche, on se rapproche de sa voiture, hop là, la petite manip, R1, R1, rond, R2, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, ça n'a pas fonctionné, on recommence. Voilà. Dès que le code de triche est activé, on rejoint vite fait la police pour se faire arrêter. Dès qu'on est arrêté, la touche start, on va en ligne. Je vais jeter en ligne, go. Et là. On valide, on appuie tout de suite sur PS et on va suspendre la co. Jusque-là, ça n'a pas trop changé. Hop là, ici. On démarre. Après les trois boum, 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 on rejoint le poteau. Qu'on la rejoint, on attend 15 secondes. 15. Et on spamme tous les messages. Hop là, on attend. Une fois qu'on a spammé tous les messages, on re-rejoint l'ami. On reste sur cette alerte qui va disparaître. Voilà, on attend de spawn mon fusillade. On aura une alerte, on la refuse.
sais qu'elles viennent. Direction le Mouchiliad. Hop là, on refuse cette alerte. Pavé tactile, on se prépare à prendre le mode réalisateur. Hop là, on accepte. Et on va se retrouver dans la caravane. La flèche du haut, accéder au mode réalisateur. Moi, pour gagner du temps, j'appuie longtemps sur le pavé tactile jusqu'à ce que ça apparaisse. Un petit clic, le pavé tactile. Garage. On choisit la voiture qu'on veut faire spawn. Hop là. Et juste là. On se met sur retour à la caravane, il n'y a plus qu'à attendre que l'argent spawn. Hop là, une fois que l'argent est spawn, on retourne à la caravane, on reste sur ce message. Pendant ce temps-là, votre ami, il peut quitter le travail de Titan. Il vous rejoint. Une fois qu'il vous a rejoint, il a le véhicule en visuel. Et pour faire spawn un deuxième véhicule, quand vous êtes là, vous faites PS pour suspendre la connexion. Moi, je la suspends avec Spotify. Hop là. On relance le jeu. On retombe sur l'alerte. On l'accepte. On se retrouve à la caravane. Et encore, accéder au mode réalisateur. Une fois là, pavé tactile, vous allez sur garage, vous faites spawn, vous vous mettez sur le deuxième véhicule que vous voulez faire spawn, vous enlevez le pavé tactile et là, vous rejoignez votre ami. S'il est dans votre crew, ce sera encore plus facile et plus simple. Là. Une fois mode réalisateur, pavé tactile, vous validez. Et voilà, le deuxième véhicule à spawn. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Salut, c'était José YTV.